toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 5 de SaaS et la transformation digitale et le retail. Aujourd'hui, nous allons parler de comment mieux gérer le Black Friday avec l'analytique en temps réel et la gestion collaborative de la demande. Je suis accompagné de David. Bonjour David. Bonjour Grégoire. Tu vas bien ? Très très bien. Super. Je vais commencer par quelques chiffres, David. C'était en novembre 2019, le 29 novembre pour être précis, Black Friday en France, il y a eu 56 millions de paiements par carte bancaire qui ont été enregistrés. Un chiffre conséquent. Un autre chiffre conséquent, toujours la même période aux États-Unis, ça a été 7,4 milliards de dollars de produits achetés en ligne. Plus 20% par rapport à l'année précédente. Des chiffres impressionnants. Première question, David, c'est quoi le Black Friday ? Et comment ça se traduit en France ? Ben, Grégoire, le Black Friday, c'est un événement commercial à l'origine d'une journée qui se déroule le vendredi. Ce vendredi marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats des fêtes de fin d'année. Et il est devenu en fait un événement très attendu et surtout incontournable. En France, l'opération Black Friday dure en général plus qu'une seule journée. De nombreuses enseignes très connues en profitent pour offrir des réductions à leurs clients pendant plusieurs jours, presque une semaine. C'est quoi les impacts majeurs du Black Friday pour les distributeurs ? Pour les distributeurs, cela signifie un pic du chiffre d'affaires dans une période très très courte, un fort trafic dans les magasins et sur le online, et cela conduit en fait à une opportunité de capter de nouveaux consommateurs pour les marques et les enseignes. Ouais. Vu sa place dans l'agenda fin novembre, le Black Friday, c'est quoi ? C'est Noël avant l'heure ? Bah oui, tout à fait. En fait, cela est censé lisser les ventes sur une période plus longue au niveau de la durée. Mais la réalité est que l'on a tendance à créer de la demande qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu une forte promotion qui avait été mise en place. Je comprends. Comment les acteurs de la distribution s'assurent que ce type d'événement reste profitable, David ? C'est toute la difficulté de cet exercice, Grégoire. Une promotion a en effet plusieurs effets. Des effets directs, comme l'augmentation du chiffre d'affaires ou l'augmentation des volumes de vente, mais aussi des effets indirects, comme la cannibalisation ou le stock-up, qui sont très souvent assimilés à des effets négatifs pour les résultats de la catégorie. Par conséquent, une grosse promotion ou un déstockage effectué sous le contrôle de ces effets assure en fait une certaine profitabilité, et cela n'est faisable que au travers d'outils analytiques avancés. Ouais, je comprends. Toujours selon toi, David, c'est quoi les trois priorités pour s'assurer que le Black Friday est un succès pour les distributeurs ? Les trois priorités, Grégoire, sont selon moi la disponibilité des produits. Une promotion est là pour attirer le consommateur et profiter de cet effet pour faire grossir son panier d'achat avec d'autres produits qui, bien évidemment, il n'aurait pas acheté. La deuxième priorité, c'est d'appliquer des promotions qui soient compétitives. Avec des outils digitaux, aujourd'hui, il est rapide de savoir quelles sont les promos qui sont mises en place par les autres enseignes, par les compétiteurs. Et cela devient un vrai différenciateur de positionner la bonne promotion tout en gardant le contrôle sur la profitabilité. La troisième priorité, c'est de pouvoir réagir instantanément en prenant la bonne décision. Mmh. En effet, la complexité de la disponibilité des produits, les accords avec les fournisseurs, les différents fournisseurs, les impacts sur la perception des produits, des promotions post-promotionnelles sont tous des éléments extrêmement importants qui doivent être considérés par les responsables pour prendre la bonne décision. Oui, je vois. Mais David, j'ai envie de te demander comment les distributeurs font pour toujours prendre la bonne décision ? Ils sont sous le feu de l'action avec une frénésie d'achat. Qu'est-ce qu'ils font ? Tout à fait. Il y a quelque chose qui est très important. Les outils analytiques aujourd'hui sont capables d'appliquer en temps réel des modèles statistiques basés sur des données capturées au fil de l'eau. Ceci permet donc de fournir des dashboards opérationnels qui permettent de prendre des décisions factuelles, optimisées et de façon instantanée. Mmh. On peut citer par exemple l'offre de substitution. Par exemple, quand on est dans une situation où il y a une rupture de stock, choisir la bonne offre de substitution, le bon produit de substitution devient extrêmement important au bon prix. Et donc tout cela est possible grâce au soutien de l'analytique. Je vois. Les effets post-Black Friday, c'est quoi les impacts ?
C'est une très bonne question. Merci. Il faut effectivement tenir compte du fait que cet événement vient perturber les historiques de demande des consommateurs. Et donc, il faut là encore l'aide de modèles intelligents alimentés par des données exogènes pour venir contrebalancer tout cela et revenir rapidement avec une précision de la demande acceptable. Merci David, c'est très clair. Ça nous donne un autre point de vue du Black Friday et on voit comment un analytique permet de garder le contrôle sur ses effets à court, moyen et long terme. Nous arrivons à la fin de cette interview. On se retrouve la prochaine fois pour parler on-shelf availability, disponibilité des produits en linéaire. David, je te dis à bientôt et vous retrouvez nos coordonnées juste après le générique. Merci, bye bye. Merci.